Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie et avec Christophe Ramon, le porte-parole et l'un des directeurs de la prévention routière. Et oui, c'est une émission consacrée à la route, hein, parce que dans quelques semaines, on va prendre la route pour prendre pour les départs en vacances. Et il faut faire attention, vous nous alertez depuis le début de l'émission, Christophe Ramon, sur tous les gestes, les bons gestes à faire. C'est souvent en plus très simple et très évident. Oui, le premier geste, c'est d'anticiper en fait. Donc plutôt que préparer son trajet la veille au soir, veiller très tard, dormir très peu, aller travailler ensuite pour partir le lendemain soir, vaut mieux éviter ces scénarios-là. On se met on se couche tôt, devant donc la veille d'un départ. Voilà, on se prépare longtemps à l'avance. Il faut manger aussi avant. Oui, il faut manger, mais alors on ne va pas manger des choses grasses et surtout on ne va pas boire d'alcool. Évidemment, voilà. Évidemment. Vous restez avec nous dans la France Bouge, on aime bien mettre en avant les bonnes pratiques des entreprises envers leurs salariés. Et dans cette émission consacrée à nos déplacements et à cette prévention routière, nous sommes avec vous Yves Collière, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur qualité et sécurité chez Socotec. Socotec, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans et vous intervenez sur la gestion des risques techniques dans l'immobilier, dans l'industrie, dans la construction. 250 agences en France et plus de 10 000 collaborateurs. Et si vous êtes en direct aujourd'hui dans la France Bouge, c'est parce que vous êtes concerné pour cette sécurité routière. Vous agissez avec vos salariés parce que vos collaborateurs prennent pour la plupart la route tous les jours et font en moyenne chacun 30 000 km. Par an. Donc la sécurité, elle est au cœur hein, de la culture même de votre entreprise et vous avez mis en place énormément de choses pour protéger vos salariés sur les routes. Oui, tout à fait. Donc sur nos 5500 collaborateurs français, nous en avons environ 4000 en permanence sur la route, hein, parce que nous assurons des missions de service et nous avons besoin d'être implantés très 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 proche de nos clients. Bien évidemment, on a 250 agences et nous avons besoin d'aller chez nos clients pour faire nos mesures, pour accompagner nos clients techniques. Donc, chaque jour, 4000 collaborateurs avec des véhicules Socotec se déplacent. 100 millions de kilomètres par an, vous l'avez dit, ça fait 10 fois le tour de la Terre par jour travailler. Ouais, donc c'est énorme. Donc vous avez mis en place des solutions, des actions pour réduire les risques. Alors lesquelles ? Il y en a énormément. Vous avez signé une charte avec la sécurité routière, je crois. Vous militez pour la non-utilisation du portable au volant avec des limitations de vitesse. Et vous vérifiez aussi les voitures parce que vos collaborateurs ont des voitures de la société et vous les surveillez énormément. Voilà, donc en fait, on partage avec eux, plutôt que faire la surveillance, on partage avec eux, on va dire, les bonnes pratiques et les bons comportements à avoir. Et en fait, nous avons développé, depuis le début de l'année, nous avons développé une dynamique avec nos collaborateurs et nos managers, qui sont vraiment les vecteurs et les porteurs de la sécurité dans les agences. Nous avons développé une dynamique de co-surveillance qui vise à faire qu'à chaque infraction, à chaque accrochage, à chaque accident responsable, nos managers rencontrent le collaborateur concerné et pratiquent avec lui un entretien bienveillant pour comprendre la situation et aider le collaborateur à mieux se comporter au volant. Donc on est vraiment dans une dynamique d'accompagnement situationnel, j'allais dire, pour faire en sorte que nos collaborateurs progressent en la matière. Et depuis un an, nous voyons les premiers progrès, puisque nous mesurons nos taux d'incidents routiers significatifs, qui, heureusement, est à la baisse. Donc c'est à la baisse, donc les résultats sont là, et puis vous faites des visites pour contrôler la voiture. S'il y a un accident ou un incident, le collaborateur a automatiquement un rendez-vous avec son manager pour essayer de comprendre. Donc il y a un suivi qui est mis en place, et les effets sont là. Il y a moins d'accidents. Les effets sont là et notre démarche, on a voulu la structurer davantage, donc on a signé avec la déléguée interministérielle en charge de la sécurité routière, on a signé l'engagement employeur engagé, en fait, hein, qui repose sur cet engagement, dont vous l'avez dit, téléphone limité en usage au volant, la sobriété, le contrôle de la vitesse. Un engagement aussi de faire en sorte que nos collaborateurs aient des temps de repos quand ils circulent longtemps. Tout ça
fait partie de nos engagements et tout ça fait partie des choses que nous pilotons au quotidien par les managers. Ce qui vous permet de diminuer les accidents et de rassurer aussi vos salariés. Merci à vous. Exactement. Yves Colliard, vous êtes le directeur qualité et sécurité chez Socotec. C'est déjà la fin de votre émission. Christophe Ramon, bel été, hein, et bel été sur les routes. Hein. Soyez prudents. Merci à vous Christophe Ramon, l'un des directeurs de la prévention routière. Nathalie Carré, on se retrouve lundi avec l'un des leaders de la location de matériel dans le bâtiment, le PDG de Kiloutou sera lui aussi autour de la table de La France Bouge à lundi. Tout de suite le flash suivi de Christophe Ondelat.